correcte, elle doit toujours coller le plus à la vérité. C'est pour ça que chaque fois, nous n'avons tenu à faire l'histoire que sur la base des documents ou des gens qui ont été des acteurs. Nous nous sommes déplacés au Mali, à Bamako précisément. Nous sommes dans l'année du cinquantenaire de ce pays, comme du cinquantenaire du Cameroun. C'est pour ça que nous avons voulu, non pas réécrire l'histoire, mais voir des gens qui peuvent aider les générations futures à la réécrire et puis à comprendre vraiment ce qui s'est passé. Nous sommes donc allés dans un des endroits où l'histoire a vécu, c'est-à-dire l'histoire du Mali, retrouver quelqu'un qui, lui, était là, qui était témoin. Et ce monsieur, c'est monsieur Seydou Badiane Kouyaté. Nous sommes donc allés à sa recherche et on a eu la chance de le retrouver vivant. Et monsieur, nous ne commentons pas, nous vous laissons suivre. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la tribune de l'histoire. Mesdames, messieurs, bonsoir une fois de plus. Ainsi que je voulais annoncer dans la tribune de l'histoire de ce soir que nous venions ici à la recherche de monsieur Seydou Badiane Kouyaté. Seydou Badiane Kouyaté, c'est toute une histoire au Mali. Nous avons eu la chance à une époque où nous étions jeunes de venir le voir. On était à Jeune Afrique pour avoir les informations sur le Mali. Alors, ce soir, encore une fois de plus, nous venons le voir. C'est une chance que nous le trouvions à l'âge qu'il a aujourd'hui, lucide, pour continuer, au moins pour nous dire ce qui s'est passé au Mali à une certaine époque. Parce que je crois qu'il ne reste plus que deux dans l'ancienne équipe du président Modibo Keïta. On m'a parlé de Mamadou Aw, je crois, et vous. Alors, nous sommes donc venus. D'abord, M. Chatoué, président directeur général du Canal 2 International, Eric Fotso, vous remercie d'avoir, de par ma modeste voix, d'avoir bien voulu accepter de nous recevoir et d'essayer de nous parler d'un petit pan de l'histoire du Mali. Parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous demander de parler toute l'histoire, ça prendra des années, étant donné la position que vous occupiez à cette époque. Alors, merci. J'ai 82 ans. 82 ans. Moi, je vous ai connu à l'époque où vous étiez ministre. Mmh. Alors, vous avez 82 ans. Je vous demanderai de nous parler un peu de l'époque avant l'indépendance du Mali. Parce que je sais que vous étiez déjà à cette époque, je crois, membre du bureau politique de l'Union soudanaise RDA dans les années 58, c'est-à-dire quelques temps avant l'indépendance du Mali. Je me trompe? Non. Alors, racontez-nous un peu. J'étais médecin. J'ai fait mes études en France, à Montpellier. Je suis rentré médecin. J'ai été affecté à Bouni, à quelques 180 km d'ici. Puis la loi cadre intervient. La loi cadre, c'est en 1957. Oui. Cette loi, fameuse loi cadre de fer. Oui, voilà. Alors, j'ai... dès mon arrivée, j'ai milité au RDA. Et toute ma famille était RDA. J'ai eu des liens personnels avec Modibo Keïta, Amadou Konaté. Quand j'étais étudiant, j'arrive, je vais à Bouni. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 57. 57. Je suis arrivé en 56. Vous êtes rentré au Mali en 56. En février 56. Ok. Mais déjà, comme je vous l'ai dit, en France, j'avais des liens personnels avec Mamadou Konaté, avec le RDA, la direction du RDA. Si bien que on m'a envoyé des étudiants qui sont maintenant des grands-mères, c'était des jeunes filles qui devaient faire des études de sage-femme à Marseille. Finalement, on a dit à Marseille, on ne connaît personne. Les parlementaires ont fait des démarches, moi aussi de mon côté, et on les a fait venir avec moi à Montpellier. À Montpellier. Je suis rentré, j'ai exercé la médecine, j'avais ma place
au sein du RDA de Bouni, mais on m'a dit, écoute, ne viens pas, parce que l'administration coloniale va t'affecter tout de suite. Si on sent que tu es là, tu es avec nous, on va te jeter tout de suite dans un coin perdu. Donc fais attention. On a vécu ainsi quelques mois, et puis un coup de téléphone, viens à Bamako. C'était le coup de téléphone de Modibo Keïta, viens à Bamako. Je viens, il me dit, bon, ben, on a besoin de toi. Tu vas prendre le portefeuille du plan. Nous sommes en quelle année? C'est la loi Kano. Ah, dans le gouvernement, l'État autonome, comme on disait. L'État autonome. Voilà. Le portefeuille du plan et de l'économie rurale. En 57. En 57. Voilà. Ainsi, je me suis trouvé ministre en 57. Dans le premier gouvernement du Mali. Dans le premier gouvernement du Mali. Du Soudan. Du Soudan. Quelques temps après, il y a eu le congrès du RDA. Oui. Et j'ai été coopté au bureau politique. J'étais parmi les plus jeunes. Je crois que je devais être le plus jeune. Au bureau politique, avec au poste de secrétaire aux affaires économiques, sociales et culturelles du bureau politique. Et voilà. Et tout a commencé là. Sur un certain plan. Le congrès arrive. Quelque temps avant, Moudou m'avait dit, tu sais, le RDA va certainement éclater. Parce que nous sommes pour que l'AOF reste unie. Et nous sentons que notre président n'est pas d'accord. Fouette n'est pas d'accord. N'est pas d'accord. Nous allons voir ce que nous pouvons faire, mais de toutes les façons, les jeunes cadres qui sont autour de toi, tu les préviens, ça va éclater. Je lui dis, ah oui, il me dit oui, d'ailleurs je vais t'envoyer en Guinée avec une lettre pour voir Sékou Touré. Tu lui remets la lettre, tu lui dis ce que je t'ai dit. Je suis allé voir Sékou, il a lu. Il vous a avec une lettre, et tu lui dis ce que je t'ai dit. Je lui ai dit. J'ouvre cette parenthèse parce que quelqu'un m'a dit que c'est vous qui étiez chargé de tout le courrier important du président Modibo Keïta. Et quand on donne le courrier à quelqu'un, ça veut dire qu'on sait qu'il va dire ce qu'il faut. Alors ça confirme. Oui, alors j'ai dit, le président Modibo pense que le RDA va éclater. Il m'a dit, mais il a déjà éclaté. Si on fait semblant de rester ensemble, c'est de par la diplomatie, je ne dirais pas diplomatie, c'est par le talent de Modibo. Les Soudanais sont des gens sages, c'est Sékou qui parle, hein. Des gens mûrs, il ne veut pas d'éclat. Il a essayé d'arranger les choses, mais il se rend compte, et je lui avais dit que c'était perdu. Mais il s'est obstiné, il a tenu, il dit que ce n'est pas perdu, qu'il faut, il faut, il faut. Et maintenant, c'est lui qui me dit que ça va éclater, c'est que c'est fini. Je suis revenu, j'ai fait le compte-rendu à Modibo. On a décidé le congrès du grand rassemblement du RDA. Fouette était à l'époque ministre de la Santé du gouvernement, en France. Du gouvernement français. Oui. Il est venu. Modibo, lui, il était député. Oui, et au cours de ce congrès, nous avions reçu la visite. Il n'avait pas été secrétaire d'État. Avant, oui. Il avait été secrétaire d'État oui, en France aussi. Oui, oui. C'est important. Avec Félix Gaillard. Dans le gouvernement dans de Félix gouvernement Gaillard. Et on a reçu la visite de Senghor, Lamine Gueye, Mamadou Dia. Ils sont venus tous les trois pour tenter de sauver la fédération, l'AOF. Nous avons reçu aussi Pierre Mendès France, François Mitterrand et Edgar Faure. Eux étaient les interlocuteurs de Fouette à Koulouba. Nous étions au congrès en bas. Fouette n'est jamais descendu dans la salle de congrès. Il est resté à Koulouba. Il est resté à Koulouba. On faisait Modibo et Léon Ba. Oui.
faisait la navette. Mais le Omba, nous, les jeunes, nous l'avions déjà classé. Parce que lui, en arrivant déjà, il déclarait... Nous, nous avions l'indépendance en tête. Lui, il disait la loi cadre. Et rien que la loi cadre. Mais toute la loi cadre, on avait compris. Va et vient, on a tout fait. Ceux qui partaient voir au fouet. Donc, Modibo. Lui, on dit que les Sénégalais sont arrivés. Senghor a même proposé que la fédération ait pour capitale Abidjan. Pour sauver la fédération. Pour sauver la fédération. Au fouet, a dit non. Il ne devait pas de la fédération. Et tout ça, ça se passe pendant le congrès du RDA. Pendant le congrès du RDA. Lui, encore une fois, on ne l'a jamais vu dans la salle du congrès. Alors qu'il était venu pour le congrès. Il était le président. Ségou Touré s'est tellement énervé qu'il a eu un... Il a vu un journaliste de France, l'intransigeant. Oui. Le nom m'échappe. Qu'il avait un peu malmené dans les journaux et c'est qu'il voulait se battre avec lui. Quand il l'a vu en bas, il s'est tellement précipité qu'il a fait une chute dans les escaliers. Pour aller taper sur le journaliste. Oui, oui, oui. Le nom lui viendra. Pour aller taper sur le journaliste. Bon, il a eu des problèmes avec deux côtes. Côte fêlée. Oui, oui. Et si bien que le message de Sékou au Congrès a été lu par Ismaël Touré, son frère. Nous avons tout fait. Oufouette a dit non. Il nous a trouvé finalement une formule, la démocratisation des organes fédéraux. On a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne voulait rien dire. Finalement, on s'est séparés. Donc, chacun est rentré chez soi. C'est au congrès de Bamako qu'il n'y aura pas d'AOF. Qu'il n'y aura pas d'AOF. Très bien. Malgré les efforts de Senghor, l'éloquence, la sagesse de Lamine Gueye, tout fait, je vous dis, jusqu'à proposer que la capitale soit Abidjan. Nous arrivons donc, on est sûr que la fédération va éclater. Elle a éclaté. Quand on a vu, c'était vu. Nous avions pris confidentiellement des contacts avec les quelques délégués du Congrès, dont Aouma Degbe, qui c'était le RDA du Dahomey, et un peu la délégation voltaïque. On avait pensé qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'on sauve. Ils nous ont donné leur accord. On devait se retrouver à Dakar au congrès dit des fédéralistes. La Côte d'Ivoire n'est pas venue. Avant, moi, je suis allé encore voir Sékou Touré. Il m'a dit à moi... Nous sommes toujours en 57. Oui, ces histoires-là, tu sais... Nous allons faire autre chose. Oufouette n'est plus africain. Il est certainement ivoirien. Mais il n'est pas africain. Moi, je vais interroger les cadres du peuple de Guinée. On me dira ce qu'il faut faire. Si, quelques années plus tard, on peut se retrouver. Mais moi, je pense que nous allons faire autre chose. Je suis venu, j'ai rendu compte à Modibo. Il m'a dit, oh, je sais, c'est qu'il va à l'indépendance. Il va précipiter des choses. Mais il faut aller encore le revoir. Je suis reparti. J'ai trouvé pratiquement le PDG en conférence nationale. Quand je suis allé avec lui, il m'a dit, bon, mais puisque tu es là, le peuple va parler en ta présence. Je lui ai dit, si c'est pour me dire ce que tu m'as dit, c'est pas la peine.
Il dit non, mais viens, tu verras. Et moi, j'ai assisté à la conférence nationale au cours de laquelle le PDG a décidé d'aller à l'indépendance. Nous sommes en 58, là. Nous abordons 58. Ok, très bien. Les dates, c'est important. Oui, je suis venu, je lui ai dit, bon, mais c'est fini. Ils vont à l'indépendance. Et alors, ceux qui avaient décidé de rester avec nous, c'est-à-dire le Sénégal, la Haute-Volta, le Dahomey, on a dit, bon, pourquoi on ne ferait pas aussi une réunion des fédéralistes? Ce que nous avons tenté à Dakar. Ils étaient d'accord. Tout le monde. On a même, Modibo a même imposé un serment. Mais ça n'a pas été loin. Sékou, peu de temps après, Sékou s'est proclamé. La Guinée a parlé. Donc, mais malgré tout, on a essayé de maintenir des liens avec lui. Donc, on est à l'aube de 58, en temps De Gaulle vient avec son oui ou non pour l'indépendance. Oui, avec l'ancien gouverneur général Cornu-Jean et Oufouet Boigny. Parce que De Gaulle est passé à Brazzaville avant de venir. Moi, j'étais à l'école. Oui. Il était d'abord à Brazzaville. S'est arrêté un peu au Cameroun en passant, avant de venir ici. Et Oufouet lui avait fait croire que Sékou gesticule. Mais qu'il va voter. Mais qu'il va voter. Oui. Oui. Il s'est trompé. Oufouet est venu à Conakry avec De Gaulle. Oui, et Cornu-Gentil. Et Cornu-Gentil. Oui. C'était terrible. Parce que ça a été tellement dramatique que De Gaulle a oublié son képi. En allant dans la vie. Nous avions décidé de voter oui. Avec le Sénégal. Parce que nous n'étions pas prêts. Sékou avait déposé les chefs de canton qu'il avait remplacés par le secrétaire du parti. Et voyez la superficie de la Guinée et celle du Mali. Nous avions encore nos chefs. Notre pays est immense. Nous n'avions pas suffisamment d'encadrement politique pour affronter la France, parce que c'était un affrontement. Nous avions encore l'armée française chez nous. Et Bakary Djibo, qui était syndicaliste de la même école syndicale que Sékou Touré, a décidé de voter non. Bakary Djibo qui s'est retrouvé maire de Boaké. Non. Bakary Djibo, c'était le dirigeant du Niger. Il avait un parti qui s'appelait le Savaba. Ah, Djibo Bakary, ouais, Savaba. C'est ça, Savaba. Ouais, ouais. Je l'ai retrouvé à Accra en 1962, en exil. Oui, il était ici. C'est Kwame Nkrumah. Oui. Alors, il a décidé de voter non. Mais le peuple, entre guillemets, n'a pas suivi. Oui. Et Diori, j'ai retrouvé après des militaires maliens qui n'ont pas eu honte de me dire qu'ils ont voté au Niger. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont voté 4 fois. Au Niger, on les a amenés. 4 fois, oui. On les transporte pour aller voter en faveur du oui prôné par Amani Diori, c'est voilà. Ça. Voilà. Et finalement, Djibo est venu ici, en exil. Il a commencé ici, à l'exil. Nous avons continué notre chemin. On a constitué la fédération. La fédération est constituée en quelle année? La fédération est constituée pratiquement en 59. Oui. Sénégal, Mali, Haute-Volta, Dahomey. Mais un mois après, la Haute-Volta. Et le Dahomey? La Haute-Volta est le premier à nous quitter. Moi, je suis allé voir Colombo. C'était un. Parce que quand je faisais mes études médicales en France, il était aussi étudiant, il était médecin africain, docteur, etc. Oui, oui. Il m'a dit, vous perdez votre temps. Il faut être venu ici. Il y a eu beaucoup d'argent. L'argent, ce n'était même pas dans des caisses, c'était dans des sacs de mille. Ici, ils ont décidé de vous quitter, ils vont vous quitter. Nous avions un camarade là-bas qui était médecin, qui est resté longtemps, qui a combattu en
Hall Volta, c'était Ousmane Ba, qui est médecin. Modibo lui a demandé de venir, de rentrer, parce que Hall Volta s'est perdu. Peu de temps après, c'était le Laoumé qui nous quittait. Hubert Maga. Et alors nous nous sommes trouvés en tête à tête avec le Sénégal. C'était déjà une affaire condamnée. Parce que nous avions une orientation, je dirais même une certaine formation, parce que des hommes comme Modibo, Idrissa Diarra, Mouezin Koulibaly, ont fait partie des GEC. Les GEC, c'était des groupes d'études communistes que quelques cégétistes égarés en AOF et quelques professeurs, je me souviens, Morlaix, Fayette, Siré Canal, l'historien, avaient créé le groupe d'études communistes. Il y en a qui ont été expédiés, je l'ai dit, en pyjama, en France, par les gouverneurs coloniaux. Nous, on a connu un comme ça au Cameroun, Gaston Dona. Ah bon, mais nous, c'était Morlaix, Fayette, Siré Canal. C'était eux les meneurs ici. Nous avions une autre formation. Le Sénégal en était à la Troisième République. Senghor parlait beaucoup de socialisme démocratique. Mamadou Dia était le praticien, mais c'était surtout au niveau de la paysannerie. On ne touchait pas aux comptoirs coloniaux. Or, nous, notre problème, c'était les comptoirs coloniaux. Qu'il fallait toucher, nous ne voulons plus. Parce que nous n'avions pas. Nos soi-disant capitalistes étaient des traitants. Je sais, à l'époque. Ils achetaient les produits pour les. Le cacao, l'arachide. Voilà. Le café, alors ici, c'était l'arachide, c'était la gomme arabique, c'était un peu de coton. Et c'était même très intéressant parce que le gouverneur de la Côte d'Ivoire était à Grand Bassam. Il était en même temps directeur général d'une société dont j'oublie le nom. Et le vice-gouverneur, lui, il était au plateau Abidjan, Louis Barthes. Oui. Qui était en même temps directeur général de la CFAO. Oui. Ce qui fait que tous les terrains du plateau d'Abidjan appartenaient à la CFAO. Et l'autre était à la SCAC à Grand Bassam, le gouverneur, et tous les terrains de Grand Bassam appartenaient à la SCAC. Voilà. Alors, ces structures-là, nous n'en voulions pas. Or, au Sénégal, un homme était puissant, c'était Galenka. C'était le président de la Chambre de commerce. Et quand il nous a vu venir, d'ailleurs, il avait un petit cercle autour de lui. Nous avons appris, nous sous-annés. Il aurait dit ce jour-là, ça ne durera pas. Et ça ne pouvait pas durer. Nous avions à la tête de la gendarmerie sénégalaise, la gendarmerie française, un certain colonel Pierre, qui était farouchement. Il ne pouvait être qu'opposé à vos idées. Bon. Et nous avons marché pratiquement en suivant une haie étroite, épineux par-ci, épineux par-là. Lamine Gueye, de l'autre il y avait Modibo, il y avait Ousmane, il y avait Ave, moi, parce que nos anciens, nos cadres, nous les avons laissés ici. Nous avons discuté pendant 3 mois l'indépendance de la fédération. Parce qu'on nous disait, oui, une séance vendredi le 12. Une autre séance, mercredi le 19. Alors on était obligé de rester. Le 4 avril, on a signé. 1960. Oui. La fête a lieu à Dakar. Le 4 avril. Le 4 avril.
Juste aujourd'hui encore, la date de l'indépendance du Sénégal, c'est le 4 avril. Et celle du Mali? C'est le 22 septembre. Je vous dirai pourquoi. Modibo était président du gouvernement, Senghor à l'Assemblée, etc. Le jour où on a proclamé l'indépendance, parmi les futurs partenaires, il s'est trouvé le représentant de Taïwan et le représentant du Vietnam Sud. Bien sûr. S'il y a Taïwan, il y a le Vietnam Sud. Senghor, pendant la cérémonie, m'a regardé en me clignant de l'œil. J'ai compris. Modibo était furieux, mais lui, il savait se contenir. Et c'est ainsi que nous nous sommes trouvés partenaires. Taïwan, Vietnam Sud. Après la cérémonie, Modibo m'a dit ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'auparavant, moi j'avais fait un voyage, j'avais déjà pris contact à sa demande avec la Chine. La Chine. La Chine était représentée seulement à Berne. Mm-hmm. À Berne. Elle n'était pas représentée aux Nations Unies. Nulle part. À Berne. Et je suis allé à Berne une première fois avec Madara Keïta. Une deuxième fois, je suis allé seul. Et de Berne, j'ai été à Canton avec un passeport guinéen. Tout ça se passait pendant la fédération. Oui. Nous savions qu'on partirait, que ça finissait. Et Senghor s'est moqué de moi. Il savait, vous savez, parce que les services de renseignement occidentaux étaient à sa disposition. Mais il était toujours à l'Assemblée. Il était toujours à l'Assemblée. Président de l'Assemblée. Il plaisantait, il chahutait. Il m'a dit d'ailleurs, à Malien, Malin et demi, quand il a su que j'avais. Le jour où il a fait venir Taïwan et le Vietnam Sud, il m'a fait un clin d'œil, c'est une réception. Quand on s'est trouvé à deux, il m'a dit à Malien, Malien et demi. J'ai compris que ça s'adressait à moi, à mes voyages clandestins. Je savais. Bon, mais Senghor voulait bien qu'il y ait une fédération. Le Senghor ne voulait pas qu'on touche à l'économie. On pouvait faire ce que l'on voulait avec les paysans. On pouvait faire des poèmes, déclamer tout et tout, mais il faut laisser Galenga à la Chambre de commerce. Et il ne faut pas toucher au problème de l'économie. Il faut laisser ça. Alors nous, c'était l'essentiel. Ça ne marchait pas. Et un jour, ça a cassé. En quelle année? En 60. Le 20 août 60. Seulement quelques temps après l'indépendance. C'est ça. Le 20 août 60, il y a eu l'éclatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Senghor a prétendu qu'il y aurait un complot. Non, qu'il y a eu, qu'on a voulu faire un coup d'État, on a rigolé. C'est ce que je dis, non? Qu'on a voulu faire un coup d'État, qu'on a voulu. Ben, comment au Sénégal? Mais un coup d'État contre qui? Contre lui. Lui, président de l'Assemblée nationale. Ah oui. Comme si nous voulions coloniser le Sénégal. C'était aberrant. Senghor, il avait ce style parfois. Ridicule, vous ne pouvez pas. Et voilà. Bon. Nous sommes rentrés. On vous embarque dans le train. Dans le train. Pour vous renvoyer au Mali. Alors, arrivé. Comme du bétail. C'est ça. Arrivé à Kaï. Modibo a fait un discours virulent, disant que le pays qui est le nôtre n'aura aucun lien avec qui que ce soit, surtout pas avec la France. On est arrivé, peu de temps après, c'était le 22 septembre, août-septembre, on a tenu un congrès et les résolutions du Congrès disaient également qu'on n'avait aucun lien avec la France. Aucun accord, rien. On est resté ainsi. Mais on n'a pris contact avec aucune autre puissance. Aucune. Nous nous sommes occupés de l'organisation interne de notre parti.
Et dans la semaine qui a suivi le congrès, De Gaulle a envoyé André Malraux ici, avec une lettre d'invitation de Modibo. Il voulait discuter avec Modibo. Modibo ne voulait pas y aller. Mais la direction politique... Le Bambara fier, mieux la mort que la honte. Oui, il faut y aller, il faut y aller. Il est resté 48 heures obstiné sur ses positions. Je n'irai pas. Envoyer quelqu'un d'autre, moi je n'irai pas. On dit, mais la lettre est adressée à toi, c'est toi qui dois y aller. Finalement, on est arrivé à le convaincre. Il a fait une lettre que moi je suis allé porter à De Gaulle. De Gaulle m'a dit, est-ce que vous avez vu André Malraux? J'ai dit non, pas encore, mais je compte bien le voir. Il dit, ah, il faut le voir. Cette fois-là, il n'a presque pas parlé. Il dit, j'attends le président Modibo, je vais lui dire ce que je pense. Et je sais qu'il me dira ce qu'il pense aussi, je le connais. Moi, je suis... Il disait que Modibo, c'est le seul chef d'État africain qu'il saluait sans avoir besoin de se baisser. Oui. Et je suis allé voir Malraux. Il m'a dit, vous savez, docteur, on ne quitte pas un destin pour une aventure. Je lui dis, mais plus simplement, il dit, nous savons tout ce qui se passe entre vous et les Félagas. Oui. Vous les soutenez. Modibo soutient les Félagas. Nous savons tout ce qui se passe. Mais votre amitié avec l'Algérie, c'est l'aventure. Votre amitié avec la France, c'est le destin. Vous pouvez dire ça à Modibo de ma part. Je lui dis non. Vous me le dites à moi. Si vous faites une lettre, je me fais fort de la porter. De Gaulle signe, moi j'apporte la lettre. Vous ne pouvez pas dire ça à Modibo. Qui est le président du Mali? Et il m'a dit, bon, ça c'est entre nous deux. Je lui ai dit, si vous voulez. Et je suis rentré, j'ai dit quand même, Modibo, ce que Malraux m'a dit. Et si De Gaulle m'a posé la question, est-ce que vous avez vu Malraux, c'est parce que il savait que Malraux aurait dire ça. Voilà. Et nous avons continué à nous organiser. Modibo n'est pas parti en France. Et si, nous avons continué à nous organiser. Modibo est parti en France vers octobre. C'est-à-dire mis du temps. Un mois et quelques après. Oui. Et moi, j'étais avec lui. Mais je n'ai pas assisté à l'entretien avec De Gaulle. Mais Modibo est sorti en sueur. Et en Bambara, il m'a dit, à Tumbagnana, il croyait rencontrer un petit gars. Mais je crois qu'aujourd'hui, il saura que c'est... Il a rencontré. C'était pas un petit gars. Après, il nous a fait le compte-rendu. De Gaulle lui a dit, mais de toutes les façons, la France vous aurait accordé l'indépendance. De Gaulle a dit, non, mon général, de toutes les façons, on aurait pris l'indépendance, comme les autres. On aurait mis le temps qu'il faut, mais on aurait pris notre indépendance. Il dit, mais vous êtes toujours agressif. Non, je ne suis pas agressif, mais je vous dis ce qui se serait passé, on aurait pris. Mais les autres l'avaient prise, le Sénégal l'avait prise. Non, ce n'était pas ça dans son esprit. Dans son esprit, c'était lui nous a donné. C'est lui qui nous a donné. Et Modibo a dit non, on l'aurait prise l'indépendance. Mm-hmm. Comme d'autres l'ont fait. Oui, c'est Couturé. Voilà. Bon. Il a nommé un ambassadeur. Nous avons maintenu des relations. Nous avions des camarades qui étaient... Vous savez, nous avons eu à nous battre au sein de ce bureau politique aussi. De l'Union soudanaise. Oui. Nous avions des camarades qui regardent toujours du côté d'Oufouette. Qui regardaient toujours du côté d'Oufouette. Avec lesquels Oufouette entretenait de très bonnes relations. À l'époque, il y avait Amassi Rendouré. Nous avions des camarades avec lesquels il n'a jamais eu à dire un mot. Mais d'autres avec lesquels il entretenait de très bons rapports. Et nous avions souvent des difficultés avec eux.
Mais quand on me dit que Modibo est un dictateur, ça n'en revient pas. Modibo nous laissait parler. Jamais il ne parlait le premier. S'il y avait un sujet, il l'introduisait et se taisait. Il nous laissait discuter. Et souvent, nous avions deux camarades qui faisaient la majorité. L'un vivant, l'autre est mort. L'un, c'était surtout Dossolo Traoré. Et pourtant, un commerçant. Mais qui était très souvent avec nous. Bon, sont intervenus alors l'établissement des relations diplomatiques. Avec la France. Ils ont envoyé un ambassadeur. Modibo a attendu un bon moment avant de recevoir les créances. Entre-temps, moi, je suis parti avec la délégation en Chine, signer des accords. Et la presse française a commencé à se déchaîner contre moi. Bien sûr. Philippe de Crène. Normal, dans le monde. Bienes, etc. Et voilà, peuple libre, dans un pays libre. Voilà. Un peuple, une foi, un but. Un but. Mais ça, c'est de Senghor. Ça, c'est. Senghor nous a. Pendant qu'on négociait avec la France, un peuple, un but, une foi, ça c'est de Senghor. Et quand on composait, quand on ligne, Modibo m'a dit, il faut laisser ça. Un peuple, un but, une foi, que ce soit le lien entre nous et le Sénégal. Que ce soit aussi la conscience du Sénégal. Demain, les générations se poseront la question, pourquoi la même devise? Et alors, l'histoire se comptera d'elle-même. Ils ont la même devise aussi au Sénégal. Oui. Et que vous. Oui. Quinzaine de jours ici. Samuel Dumont, celui qui a écrit. Oui, oui, l'Afrique noire est mal partie. Mais il est parti d'ici plein d'optimisme. Il a voyagé avec moi à travers le pays. Samir Amin. Samir Amin. Le célèbre économiste. Oui, c'est moi qui l'ai fait venir en Afrique. Il était. Je ne suis pas copain avec lui. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Il est encore là, à Dakar. Oui, il est à Dakar. Il était mon collaborateur. Parce qu'il était considéré par Nasser comme un ennemi de la révolution égyptienne. Un de ses amis européens m'a demandé, me l'a proposé, comme brillant économiste, tout ça, etc. Bon. Il est parlé à Modibo, on l'a recruté. Et lui-même m'a dit après, je sais que Nasser ne nous blaire pas du tout, mais si vous pouvez voir avec lui, essayer d'arranger un peu. J'en ai parlé à Modibo. Modibo a dit, oui, pourquoi pas, moi je vais parler à Nasser. Et Modibo et Nasser ils ont parlé. Modibo m'a dit après, Nasser a dit que je peux venir. Et mon homologue égyptien de l'époque, je ne sais pas s'il est encore en vie, le ministre de l'économie s'appelle Kessouni. Il m'a dit, mais Samir Amin, il peut venir. Et en prison, quand il y a eu le coup d'État, Nasser avait envoyé à Modibo les épreuves d'un livre que Samir Amin avait écrit contre son régime et qui s'appelait l'Égypte nassérienne. Moi, je l'ai reçu en prison.
Nous sommes là en 68. Oui. Et je n'étais pas content du tout. Parce que je considère qu'il nous a vulgairement roulés. Parce qu'on a parlé à Nasser. Il a pu faire un séjour. Peut-être qu'il avait des choses à arranger, à régler, etc. Et quand il s'est senti fort, voilà ce qu'il a écrit. Alors, 68 arrive. 68 arrive. Mais avant 68, nous avions fait beaucoup avec la Chine. Beaucoup, beaucoup. Nous avions construit des usines. Les premières grandes usines dans la sous-région. La Comatex. La Comatex. La sucrerie. Cigarettes. Allumettes. Tannerie. Et fabrique de chaussures. Lui a beaucoup contribué à ça. Puisqu'il était le directeur de l'industrie. Monsieur Conaré. Oui. Nous avons... il n'a pas voulu me dire qu'il était... Il m'a simplement dit qu'il était petit collaborateur. Non, vous savez, il est humble. Oui, toujours. Et il venait au travail à bicyclette. Ce sont les travailleurs qui lui ont dit, si tu n'as pas d'autre moyen, viens à pied, mais ne viens pas à bicyclette. Hein, Moriké? Les travailleurs lui ont dit, si tu n'as pas d'autre moyen, viens à pied. C'est collaborateur. Directeur de l'industrie. Oui, si tu n'as pas d'autre moyen, viens à pied, mais ne viens pas à bicyclette. C'est collaborateur, vous voyez l'état d'esprit de l'époque. Mais nous étions entourés d'amis ennemis. Parce que nous avions pris une autre voie. Qui n'était pas acceptée par la France. Nous avions fait une réforme de l'enseignement qui était citée en exemple par l'UNESCO. Mais pas acceptée par la France. Mais nous étions à abattre. Parce que tous les autres, j'ai eu l'occasion de le dire, étaient en train d'administrer le sous-développement. On remplace les blancs par les noirs et vive la vie. Mais nous, on cassait l'édifice laissé par les colons et on construisait. Même certains, ceux qui ont fait le coup d'État, il y avait un slogan de l'un d'entre eux, ah, mon colonel, je suis fatigué de la pauvreté. Et que le colonel lui réplique, mais qu'est-ce que tu veux faire? On nous a rapporté ça, mais c'était trop tard. Vous étiez en prison. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Il réunit quelques-uns de ses camarades. Nous en avons marre de la pauvreté. On dit, bon ben, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez faire un coup d'État, faites-le. Moi, je suis un Bambara. Moi, j'ai juré fidélité et je mourrai avec mon serment. Je ne violerai pas. Qui disait ça? C'est le colonel Ségou Traoré. Il était en prison avec nous. Ah, il était en prison. Il était chef d'état-major. Oui. Alors, 68 arrive donc. Mais j'ai fait une conférence au centre d'Oliba il y a quelques mois. Et j'ai appris. Les militaires voulaient faire le coup d'État le 1er janvier. 68. 69. Oui. Moi, j'ai été en Chine en 67 et en 68. En 68, le ministre des Affaires étrangères de Chine, le maréchal Chen Yi, m'a pris par le bras et m'a dit, vous êtes sûr de l'emmener? J'ai dit oui. Le lendemain, ils sont venus, moi j'étais là-bas, il est venu avec Chuan là, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, il y a un complot contre vous et c'est fait par des jeunes militaires. Ils se voient dans les voitures, ils sortent sous le prétexte de pique-nique. Ils changent de voiture, font la réunion, changent de voiture. Ils n'ont ni nourriture, ni fusil pour chasser, mais c'est pour se voir. Il faut prévenir Modibo. À mon retour, je lui ai dit, Modibo était profondément marqué par la religion. Il m'a dit, c'est ça le destin.
on le laisse à la fin. On ne peut rien, on n'y pourra rien. On m'a même donné quelques noms ici. Mais je connais bien Modibo. Il dit ça, il met du temps avant. Il dit ça, mais c'est ça. Je savais qu'il y avait rien. Mais il s'est arrangé, il voulait coûte que je sorte. Il voulait que je sorte, que je ne sois pas pris. Mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi il voulait coûte que je sorte. Je n'avais pas de mission importante à l'extérieur. Je ne suis pas sorti et puis j'ai été pris. Voilà. Bon, ça se passe comment en 60, en novembre 68. Nous sommes en novembre 68 là. Oui. Il devait le faire, encore une fois, je reviens là-dessus, le 1er janvier. 69. Mais quelqu'un a dit au cours d'une conférence que j'ai faite au centre de Liba que Tchekoro Brayogo, un des durs du coup, lui a dit non, Oufouette nous a demandé de faire le coup avant le 1er janvier, parce que le 1er janvier, la première pierre du chemin de fer Mali-Guinée, la première pierre va être posée par Modibo Sékou Touré et Chou Enlaï. Quelqu'un m'a sorti ça, que Tchekoro lui a dit ça. Il y a peut-être 6 ou 7 mois. Voilà. Et Chou Enlaï avait dit, nous ferons du Mali une vitrine pour l'Afrique. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Chou Enlaï en 73. Parler de ces choses blanchies. Ah bon? Voilà le problème. Nous étions un mauvais exemple. Nous étions le péril pour les autres. Oui. Autour de nous, il y avait des États où on déclarait, où on fêtait des milliards. Le Sénégal. Donc le 19 septembre, c'est le président novembre. Le président va à Mopti. Oui, mais il a été averti dans le bateau. La direction de la sécurité ici lui a envoyé un message. Il disait que les militaires ont pris le pouvoir à Bamako. Et qu'il y a une troupe qui va l'accueillir vers Kouyokoro. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désarmé toute sa garde rapprochée. Il dit qu'on ne versera pas une goutte de sang parce que Modibo veut rester au pouvoir. Arrivé à Kouyokoro, il a fait un discours en disant aux jeunes de ne pas oublier ce que nous avons fait. De ne pas oublier ce que nous voulions faire. Et de rester maliens et de rester des hommes fiers. Après qu'il ait été arrêté? Non, avant. Mais il savait qu'on l'attendait. Il savait qu'on l'attendait. Il a fait un discours émouvant. Et le maire de Kouyokoro, le député maire de Kouyokoro, s'est dit, ah, ça c'est un autre langage. Lui, il a prévenu sa famille, il dit, il y a quelque chose à Bamako, mais je vais avec Modibo. Il a été arrêté, il est mort en prison d'ailleurs. C'est-à-dire les militaires avaient déjà pris le pouvoir ici. Oui. Les Moussa. Il faisait de la musique, n'avait pas fait de déclaration puisqu'il n'avait pas Modibo. Mm-hmm. Quand ils ont arrêté Modibo, maintenant il a fait sa déclaration. Je me souviens toujours, je me suis moqué de lui d'ailleurs. Il disait le gouvernement dictatorial de Modibo et de ses valets a chuté. Chuté. Moussa Traoré. J'ai dit que ce n'est pas le gouvernement de Modibo et ses valets, c'est le Mali qui a chuté. Et à ma libération, d'ailleurs, les militaires m'ont dit, nous avons changé le Mali. Et nous avons changé l'homme malien.
vous ne trouverez ni le pays que vous avez laissé, ni les hommes que vous avez laissés. On l'arrête dans le 19 novembre et on le ramène à Bamako. Vous, on vous arrête quand? Moi, je suis resté un moment avec Ousmane Ba. Nous voulions sortir, aller en Guinée et continuer. Mais nous avons appris qu'un de nos camarades a été arrêté et que les militaires ont barré la route de la Guinée. Nous avons préféré nous rendre. Ici, chez vous à la maison? Oui. Ils sont venus ici vous chercher? Non, non, c'est pas ici, c'était à ma maison à Kinzambougou. Non, ils ne sont pas venus me chercher, c'est mon beau-frère m'a pris dans sa voiture et m'a amené au militaire. Je me suis rendu. Ça, c'est bien. Vous êtes parti de vous-même? De moi-même. Voilà. Et aujourd'hui encore, j'étais dans un lycée, les jeunes me posent la question. Pourquoi ce coup d'État? Demandez à ceux qui ont fait le coup d'État. Pourquoi ce coup d'État? C'est pas lui. Ah, oui. Alors, ils vous prennent, ils vous amènent en prison où vous retrouvez Modibo. Je ne l'ai pas vu. Mais on a pu correspondre grâce au cran d'un caporal. Pendant combien de temps vous ne l'avez pas vu? Depuis 68. Vous ne vous êtes pas revu? Du tout. Vous étiez en prison ailleurs et lui ailleurs? Non, nous étions tous à Kidal. Nous étions au fort. Lui, il était à la caserne. Dans des conditions exécrables. De 68 à sa mort en 77. On ne s'est pas vu. Vous ne vous êtes pas vu? On s'est écrit. Il m'écrivait, je répondais. Pas ce caporal. J'ai d'ailleurs eu l'honneur et la chance de lire chez Fatoumata quelques lettres qu'il y a écrites de prison. Mais on ne s'est pas vu. Parce que Fatoumata m'a dit que Mariam était dans le bateau et qu'elle elle aussi est restée en prison. Elle est restée en prison à Sikasso. Et qu'on ne l'a sortie qu'après la mort de Modibo. Oui. Et pratiquement, on lui a interdit d'observer le deuil. Oui, Fatoumata m'a dit ça. Qu'elle seule a fait le deuil parce que l'autre, on lui a interdit. Oui. Parce qu'elle était en prison avec la fille de Fatoumata qu'elle avait et qu'on a relaxé cette fille six mois après. Oui, ils ont été féroces avec moi. Alors, elle m'a dit quelque chose. Vous êtes peut-être au courant que quand Modibo est mort, les gens de Moussa avaient eu envie d'aller l'enterrer secrètement. J'ai pas appris ça. Sa petite fille m'a raconté ça et elle me l'a confirmé que c'est son frère Mali Keïta, je crois. Mali Keïta. Son frère, oui. Oui. Qui aurait dit aux militaires que s'ils font ça, les gens de chez eux qui sont des guerriers, ça ne marchera pas. Je ne suis pas au courant de ça, mais ils ont annoncé le décès de Modibo Keïta, instituteur en retraite. C'est comme ça qu'ils ont annoncé? Oui. Modibo Keïta, oui. Instituteur en retraite. Oui. Pas ancien président? Non. Et donc, vous êtes sorti après sa mort ou avant? Moi, je suis sorti en 75. Donc, Modibo est mort en 77. Moi, je suis sorti malade. J'ai fait pratiquement un an à l'hôpital d'Ariboisière. J'étais paralysé. Ça se voit. Mais vous voyez que j'avais raison de faire le voyage pour vous retrouver. Corneville m'a demandé d'écrire. J'ai dit, par respect pour mon pays, je n'écrirai pas ce que j'ai subi en prison. Par respect pour mon pays, le comportement de ces gens, c'est inimaginable. Ça se voit. Mais je suis sans rancœur. C'était leur niveau. Ils étaient aux ordres. Bon. Mais c'est cette partie de l'histoire que je voulais que nos jeunes sachent. Parce que il ne faut pas qu'on passe le temps à nous manipuler. Nous, on a eu encore un peu de chance qu'on a été à l'école
pendant qu'il y avait la rigueur. Aujourd'hui, vous arrivez dans un pays comme le Cameroun, l'histoire commence avec l'arrivée de Mbida, les gens de Mbida font l'histoire avec Mbida, et ceux d'Aïdjo commencent l'histoire en 58, à partir de 58, ceux de Biya la démarrent en 82. Alors... Mais Ruben Oumignobé faisait partie de nos camarades au départ. Je sais, il dit que c'était... Aïdjo est venu nous voir ici, nous l'avons amené au Massina. Il a parlé avec les paysans en Peul. Il a signé un accord avec Modibo. Nous, un Malien accède au Cameroun sans visa. Un Camerounais aussi vient au Mali sans visa. Ça, cette partie de l'histoire que je vais vous demander, vous connaissez un peu l'origine d'Aïdjo? Quand il est venu, oui. Il a demandé à voir le Massina. Oui. Il dit qu'il vient de là-bas, que les ancêtres viennent de là-bas. Il a dit lui-même. Il l'a dit. Oui. Et il a parlé le peul avec nos paysans. Il a fait 14 jours. Il a fait, oui. Il paraît, le circuit du Massina des peuls. Et il a dit jamais le Malien n'aura besoin d'un visa pour entrer au Cameroun. Et jamais un Camerounais, il a demandé ça à Modibo. N'a besoin d'un visa. Modibo a dit, d'accord. Et ça court jusqu'ici. Oui, parce que moi, je savais qu'il était un peu parenté avec Barry Mabokoum, qui serait oui, des cousins. Oui, oui. Et quand il était en exil à Dakar, la fille de Barima était auprès de lui. Awa Boukoum, oui. Elle est tout le temps avec lui. Ça, oui, je le sais. Tout le temps. Boukoum, elle est tout le temps avec Aourou. Lui. Aourou, oui. Awa. Oui, oui. C'est elle qui a toujours été dame de compagnie. Oui. C'est elle qui m'a dit, oui, un jour que tonton avait dit que son corps, s'il meurt, ne devra pas aller au Cameroun. Contrairement à ce que prétend Madame Aïdjo. Ah, bon, ça, c'est le secret de famille, je le sais. C'est le secret de famille. Je vais donc vous remercier. Cette partie de l'histoire du Mali manquait. Et je crois que vous venez de nous rendre un service dont vous n'imaginez pas la grandeur pour nos jeunes enfants qui nous succéderont. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi. Laissez le ministre parler au doyen. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Dieu vous donne encore longue vie. Merci. Les bonnes choses doivent toujours avoir une fin. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est pour cela que nous aurions bien voulu rester le plus longtemps possible avec le docteur Seydou Badiane Kouyaté pour qu'il continue à nous raconter la vie du Mali. Mais hélas, nous sommes bien obligés de nous arrêter pour ce soir. Pour ce soir donc, la tribune de l'histoire, c'est terminé. Nous espérons que vous avez été très nombreux à nous suivre et que vous avez apprécié, comme nous, tout ce que nous a raconté le docteur Seydou Badiane Kouyaté.